une passion. C'est quelque chose d'inexplicable. J'aime le taureau, je peux le dire, peut-être même plus, ici, sur la campagne, que dans les arènes. Je m'appelle António da Veiga Teixeira, je suis ganadero et je suis d'une famille de ganaderos. J'en ai mes quatre branches des ganaderos, soit la famille Patricio, la famille Veiga, la famille Malta et la famille Teixeira. Alors vous voyez bien qu'il y a de quoi raconter sur les anciennes histoires qu'on a entendues ici. À côté du feu, les soirées d'hiver. Nous sommes dans une finca ganadera qui est très connue, qui s'appelle Pedrógão. Et la finca a 1000 et quelques hectares. On a ici les taureaux, la camada de saca et les vaches. On a une ferme qui fait du riego, qui fait des terrains irrigués. Nous avons 300 hectares de terrains irrigués. Et le reste, c'est de la chenaille de chêne-liège et des pâturages. La ferme a beaucoup d'eau grâce au travail de mon père qui a fait des barrages, des réserves d'eau, des retenues d'eau. Et on peut irriguer et on n'a pas de problème d'eau, même dans ces années de sécheresse. On a eu une ganaderie jusqu'aux années 60 du siècle dernier, qui était une ganaderie ici avec gado de la terre, on appelait ça gado de terre, c'était des bêtes du pays, ça jusqu'à 1890 à peu près. Et puis on a acheté des sementales en Espagne et on a commencé à avoir des taureaux de caste espagnole et petit à petit ils ont dominé parce qu'ils étaient franchement mieux que les nôtres. Les nôtres c'était des taureaux portugais typiques, ils étaient grands, ils étaient très costauds, un peu dans le style des Murats d'aujourd'hui et qui n'avaient pas d'humiliation, qui ne baissaient pas la tête, c'était difficile à taurer. Et en 1968 précisément, ou 67, je ne me rappelle plus, on a fait un autre changement drastique parce qu'on voulait pouvoir lider nos taureaux en Espagne. Et à l'époque, la loi interdisait qu'on puisse avoir des taureaux dans des arènes espagnoles, sauf si on appartenait à une association de ganaderos espagnols. Alors, on a acheté en Hierro de la Union avec des vaches qui appartenaient à M. Fialho. C'était les anciennes vaches, l'ancienne ganaderie du duc de Tovar.
on avait ici au Portugal un encastre qui était Pinto Barreiros. C'était la ganaderie mère de la plupart des élevages de qualité au Portugal. Cette ganaderie, c'est pour les Espagnols, c'est plus facile de parler de gamero cívico. C'était l'origine de la ganaderie. Et c'est ce qu'on a maintenu. On a eu recours beaucoup de fois à des sementales des mêmes lignes qui appartenaient notamment à Oliveira Irmãos. Normalement, on avait 260-240 vaches. Et avec cette crise, on est descendu à 120-130 vaches mères. Ça nous donne entre 7, 6 et 8 corridas par an, dont on a vendu en Espagne, avant la crise des vaches folles, on avait vendu 11 corridas en Espagne, et à l'année prochaine, on a vendu zéro. C'est-à-dire que c'était vraiment un coup très fort sur la rentabilité, qui n'était pas énorme. Alors, on vend ces taureaux la plupart au Portugal. On a des moments où les choses marchent bien, et depuis 4 ou 5 ans, ça se passe bien avec nos taureaux. Ils sont dans le point d'équilibre entre ce que les toreros veulent et ce que le ganadero veut. On vend dans les principales ferias, dans les principales corridas du Portugal. J'ai résisté, j'ai dit des choses horribles au sujet de mes collègues qui portaient les fundas à la mode. Je leur ai dit, c'est horrible, j'aime pas voir les taureaux avec les fundas. Ça quitte toute la beauté de l'animal à la campagne. Mais puis dans une année, j'ai eu, je me rappelle pas très bien, mais je crois que c'était 11 taureaux morts. Avec des cornadas. Et je me suis dit, je ne peux pas me permettre de perdre 11 taureaux. En plus, il n'y avait pas seulement ceux qui étaient morts, c'était la quantité de taureaux avec des cornadas qu'on devrait soigner. Et qu'on perdait l'opportunité parce qu'ils étaient placés sur une corrida ici, sur une autre là. Et c'était. Et puis j'ai dit, bon, il faut suivre l'air du temps. Et j'ai mis les fundas depuis 3 ans. C'est la 3e année. Et on s'habitue, mais c'est pas quelque chose que j'aime pas. Je le fais parce que je suis obligé de le faire. Sinon, j'aurais pas des fundas. Des taureaux fins. Ce n'est pas des taureaux avec une barbelle énorme, non. C'est des taureaux qui sont jolis, qui sont beaux et avec beaucoup de tête.
Si le taureau n'a pas de cara, même s'il est très bon, il ne va pas, d'ailleurs vous allez voir les sementales, il ne va pas dans les vaches. Parce que les taureaux trop commodes, je ne les aime pas. Alors, je suis navré, la vie est comme ça. Les taureaux doivent d'abord plaire à leur maître. Sinon, comment est-ce qu'on peut élever quelque chose qu'on n'aime pas? Les taureaux qu'on a réussi à maintenir pendant toutes ces années sont des taureaux qui plaisent au public parce qu'ils sont normalement sur le bravo. Ce sont des taureaux qui ne sont pas bobalicones, ce sont des taureaux qui transmettent l'émotion. On cherche des taureaux qui puissent transmettre au public le sens du danger, qu'on est en train de dominer le taureau et que le taureau est une bête féroce. Ce n'est pas un collaborateur. Alors ça, c'est notre façon d'être dans la tauromachie. Et depuis des années, vous voyez qu'on a commencé au 19e siècle, on a traversé tout le 20e siècle et nous sommes au 21e. Et alors, ce n'est pas facile, on ne gagne pas d'argent, mais on fait ce qu'on aime. Et ça n'a pas de prix.